Donc je suis Aurélie Vialaré, responsable à un projet au sein de Miséos. Je vais vous parler aujourd'hui du potentiel aromatique et des nouveaux outils de mesure et d'aide à la décision. Le projet Pilotype est un projet collaboratif qui a pour objectif de renforcer la compétitivité des vins français à l'export. C'est un projet qui est né de deux constats. Un premier au niveau de la matière première, puisqu'il est difficile aujourd'hui de caractériser précisément l'avantage en termes d'indicateurs de qualité et d'incidence du vécu hydrique de la plante sur ces indicateurs de qualité. Et d'autre part, pour maintenir une qualité constante des vins, on a du mal aujourd'hui à choisir un itinéraire technique qui soit adapté à une qualité de matière première. Donc dans le cadre de cet exposé, on regardera uniquement une des deux problématiques, à savoir comment caractériser le potentiel aromatique de la vendange. Donc qu'est-ce que le potentiel aromatique? Le potentiel aromatique, c'est un ensemble de précurseurs d'arômes qui vont être à la fois non volatiles et inodorants, dont le clivage pourra s'opérer au cours des différentes étapes de vinification ou de vieillissement pour libérer un composé d'arômes qui, lui, sera perceptible olfactivement. Aujourd'hui, il existe trois familles de potentiels aromatiques. Donc, nous avons tout d'abord le potentiel aromatique de type thiol, qui est constitué de quatre précurseurs de thiol formellement identifiés aujourd'hui, répartis en deux familles. Ces composés sont à l'origine des thiols variétaux libérés dans le vin. Donc pour les mentionner, il s'agit du 3-mercaptohexanol, le 3MH, de son acétate, le 3MHA, et de la 4-méthyl-4-mercaptopentanone. Ce sont des molécules qui sont très connues pour leurs notes de pamplemousse, de fruits tropicaux ou de cassis qu'ils peuvent conférer au vin. Nous avons ensuite le potentiel glycosidique, qui lui correspond à un ensemble de quatre classes de familles chimiques et qui vont donner naissance à quatre familles chimiques de composés volatiles au cours du process technologique. Enfin, le dernier potentiel aromatique est celui du potentiel en diméthylsulfure, ou que l'on appelle PDMS. Il correspond à un précurseur formellement identifié à ce jour, qui est la S-méthylméthionine, et qui donne naissance au diméthylsulfure dans les vins, connu pour des notes de truffe, de chou, mais aussi pour ses capacités d'exhausteur du fruité. D'autres marqueurs de qualité du raisin sont importants à prendre en compte, puisque en parallèle du potentiel aromatique du raisin, qui lui est totalement modifié au niveau des structures chimiques dans le vin et donne naissance à des composés d'arômes qualitatifs, les marqueurs d'oxydation que sont le glutathion, les acides hydroxycinamiques et le grape reaction product, ou GRP, sont des molécules qui sont présentes à la fois dans la matière première et dans le vin, mais dont les teneurs sont modulées au cours du process de vinification. Comment aujourd'hui est-on capable de mesurer ce potentiel? Donc il faut tout d'abord savoir que ces composés-là sont présents à l'état de trace dans la baie de raisin, c'est-à-dire en général de l'ordre du microgramme par litre, ce qui rend leur mesure délicate et nécessite donc des techniques analytiques de pointe qui sont basées sur de la dilution isotopique, sur de la spectrométrie de masse en tandem et des procédures de validation analytique pour nous fiabiliser les résultats, amener la spécificité et la sensibilité requises et avoir des performances analytiques éprouvées, notamment au travers d'utilisation de cartes de contrôle. Donc grâce à cela, nous avons aujourd'hui, chez Miséos, une cadence analytique élevée permettant de répondre à la demande. Donc si l'on revient dans le cadre du projet Pilotype, les objectifs attendus sont de deux natures. Donc tout d'abord, la caractérisation du potentiel aromatique de la vendange, donc afin de comprendre la cinétique de biogénèse des précurseurs d'arômes, et également le lien entre statut hydrique et biogénèse des précurseurs d'arômes. Le second objectif correspond au développement d'un outil d'aide à la décision pour exploiter ces données de potentiel aromatique de façon à piloter à l'échelle industrielle la qualité d'un vin dès les premiers travaux à la vigne. Donc, pour cela, dans les objectifs, nous avons défini deux OAD. Un OAD vigne permettant de simuler une qualité de vendange d'après les doses d'irrigation apportées à la vigne, et un OAD cave
permettant de préconiser un itinéraire technique à une qualité de vendange. Et c'est la combinaison de ces deux OAD qui permettent de répondre donc à la problématique de pilotage à l'échelle industrielle. Le dispositif du projet Pilotype, donc, c'est un projet qui s'est déroulé sur 4 années d'expérimentation, de 2011 à 2014, avec 8 sites expérimentaux localisés dans l'Aude, l'Hérault et le Gard. Et nous avons étudié 3 cépages, le Chardonnay, le Merlot et le Grenache, ce dernier étant vinifié en rosé. Donc, au niveau des modes de conduite viticole, nous avons étudié en collaboration avec Fruition des modalités d'irrigation et de non-irrigation. Donc, ça, ce sont les dispositifs dont Sébastien a parlé précédemment. Et nous avons étudié 4 modes de procédés de vinification, à savoir des ajouts d'azote pour les vinifications en blanc et rosé et des itinéraires techniques utilisant de la macération préfermentaire à chaud pour les vinifications en rouge. Donc voici un des premiers exemples de résultats que nous avons obtenus au niveau du statut hydrique de la vigne et relation avec le potentiel aromatique de la matière première. Donc en fait on voit ici que sur cette analyse en composante principale, l'ensemble des potentiels aromatiques du raisin sont présents. Donc ici nous avons le potentiel aromatique de type thiol, le potentiel aromatique en diméthylsulfure et le potentiel en glycosidique. Nous avons rajouté ici une variable de statut hydrique, à savoir le delta C13, et du fait de la proximité spatiale entre le potentiel en diméthylsulfure et la variable de delta C13, on dénote une corrélation forte entre ces deux variables. Et de même, si l'on regarde la cartographie des échantillons, on s'aperçoit que les modalités irriguées qui correspondent donc ici aux annotations noires sont systématiquement moins riches en PDMS que les modalités non irriguées. Sont systématiquement plus riches les modalités sèches. Pardon, je l'ai dit à l'envers. Et nous observons la même chose pour l'ensemble des couples étudiés. Donc un des premiers résultats forts de Pilotype, nous avons observé, donc c'est donc les teneurs en PDMS augmentent dans ce cas précis avec un déficit en eau. Donc un deuxième résultat important concerne l'extraction du potentiel aromatique de type thiol lors de la transformation de la matière première. Donc sur ce graphique est représenté ici les teneurs en précurseurs de thiol du 3MH pour la vendange, et on s'aperçoit que ces valeurs-là sont plus importantes que dans les mous obtenus selon 2 procédés distincts, donc un mou que l'on, donc notre modalité témoin et notre modalité obtenue par macération préfermentaire à chaud. Et si nous comparons les 2 itinéraires techniques, on s'aperçoit systématiquement que les modalités issues d'MPC présentent des teneurs en précurseurs de thiol plus élevées, avec des gains compris entre 10 et 40% pour l'ensemble des modalités du dispositif Pilotype. Et ceci s'explique facilement par rapport à la répartition pulpe-pellicule des précurseurs, puisque l'on sait que ces précurseurs sont préférentiellement localisés dans la pellicule des baies. Donc maintenant, si nous regardons la révélation de ce potentiel aromatique, donc je rappelle que nous avons affaire à des molécules non volatiles qui, au cours de la fermentation alcoolique, vont libérer le composé d'arôme. Donc si nous partons de l'exemple précédemment observé, donc nous avons l'ensemble des mous obtenus par MPC plus riches en précurseurs de thiol que la modalité témoin. Donc on s'attend a priori, après fermentation alcoolique, à avoir une répartition similaire sur les vins correspondants. Or, nous observons précisément le contraire, et donc nous avons tenté d'expliquer cela en regardant d'autres marqueurs du raisin. Donc nous avons procédé à des dosages de glutathion, puisque le glutathion est un composé qui est présent dans la baie de raisin et jusqu'à dans le vin final, et qui est connu pour son rôle d'antioxydant. Donc si l'on repart du résultat précédent, à savoir que nous avions plus de thiol dans nos modalités témoins, on s'aperçoit effectivement que dans ces mêmes vins, et même mous, ce sont les mêmes résultats, on a davantage de glutathion dans ces modalités témoins.
Donc le glutathion pourrait réellement être une explication, il aurait pu préserver l'éthiol contre tout type de phénomène de piégeage ou d'oxydation. Donc effectivement, l'oxydation des thiols variétaux est bien connue, puisque ce sont des molécules qui chimiquement sont très sensibles à l'oxydation, du fait de la fonction soufre. Et lorsque ces molécules sont soumises à des processus oxydatifs, nous enregistrons une perte aromatique qui peut être de deux types, si l'on se place sous le regard du chimiste. Donc on va avoir soit un mécanisme irréversible avec formation de thioéthers, soit un mécanisme réversible en fonction du potentiel redox du vin, et nous allons former des espèces que l'on qualifie de disulfures. Donc l'intérêt de pouvoir connaître cette proportion-là réside dans le fait que ça constitue réellement une réserve aromatique du vin. Et donc récemment, l'ISEOS a mis au point un nouveau concept de dosage du potentiel thiol qui correspond à la combinaison des formes libres et formes disulfures. Et pour illustrer ce dosage-là, si on fait figurer ici le potentiel thiol sous l'histogramme vert, il est composé d'une part de disulfure et d'une part de composés libres. Et dans le cas d'une oxydation réversible, donc on va avoir le potentiel qui n'est non affecté, donc notre réserve aromatique qui est toujours la même. Par contre, on va avoir la proportion de disulfure qui augmente au détriment de la proportion de thiol libre. A contrario, dans le cas d'une oxydation irréversible, c'est directement ce potentiel-là que l'on affecte. On diminue notre réserve aromatique, sachant que les teneurs en disulfure et en composés libres vont aussi être modulées. Donc maintenant, si l'on revient au deuxième objectif de pilotype, qui était le développement des outils d'aide à la décision. Donc, je vous rappelle, nous voulions piloter à l'échelle industrielle la qualité d'un vin dès les premiers travaux à la vigne. Nous avons développé deux OAD. Et donc si l'on regarde au niveau du premier OAD, donc, qui était l'OAD vigne, nous avons aujourd'hui en place une application web et mobile depuis l'interface Fruition Science, qui permet de piloter le statut hydrique de la plante. En revanche, il nous manque encore aujourd'hui à clairement élucider le lien entre vécu hydrique et cinétique de biogenèse du potentiel aromatique. En ce qui concerne l'OAD cave, nous avons aujourd'hui mis en place nous avons uniquement un prototype d'assemblage de l'eau de vendange par type de qualité, et en fonction d'une qualité de vendange donnée, on est capable aujourd'hui de conseiller un itinéraire technique. En conclusion, Pilotype a permis de faire des progrès analytiques incontestables en termes de dosage précis du glutathion, des acides hydroxycinamiques et GRP, ainsi que plus récemment du potentiel thiol. Au niveau du développement des OAD, nous avons beaucoup de données qui ont été générées, qui sont encore en cours d'exploitation, puisque le projet Pilotype s'est terminé en décembre 2014. Nous travaillons encore sur l'OAD vigne, sur les liens entre vécu hydrique et cinétique de biogenèse du potentiel aromatique. Et sur l'OAD cave, nous sommes là sur des aspects globalement de construction de l'OAD en lui-même. Je remercie donc l'ensemble des partenaires du projet qui ont participé à ce projet, qui sont Alliance Minervois, les Vignerons du Narbonnais, les Granchers de France, Fruition Science, l'INRA, l'IFV, Montpellier Supagro, les organismes financeurs, donc la région Languedoc-Roussillon, BPI et l'Europe, et je vous remercie pour votre attention. Merci.